Vous écoutez Drops of the Lectionary, la méditation quotidienne de la parole de Dieu proposée par la DAL, l'aumônerie diocésaine de l'apostolat des laïcs de l'archidiocèse Douala. Seigneur mon Dieu, ouvre mon cœur aux merveilles de ton amour en ce jour. Que ta grâce et ta paix m'accompagnent en toutes choses pour ta plus grande gloire. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 3, versets 2 à 12. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère, comme je vous l'ai déjà écrit brièvement. En le lisant, vous pouvez vous rendre compte de l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'esprit. Parole du Seigneur. L'un des sept dons que nous recevons gratuitement de l'Esprit Saint est l'intelligence. Saint Paul écrit aux Éphésiens et dit leur avoir parlé de son intelligence reçue de Dieu. C'est grâce à ce don que le croyant comme Paul a accès et parvient à pénétrer le mystère du Christ. Nul n'est assez outillé pour connaître toutes les vérités sur Dieu. Nul n'est assez outillé pour maîtriser la théologie. Mais nous sommes tous assez outillés pour connaître notre Seigneur tel qu'il souhaite se révéler à chacun de nous dans les circonstances particulières de nos propres vies. Et depuis quelques jours, Saint Paul nous rappelle que notre vraie dignité et toute vérité sur nous-mêmes ne peuvent provenir que du Seigneur. Lui seul est notre paix. Plus nous l'écoutons, plus nous retrouvons la paix dont nos cœurs recherchent si ardemment. Et bien sûr, il se laisse trouver. My brothers and sisters, Saint Paul sees himself as a steward of God's grace given to him by God himself. That God, our Creator, lives and acts in us is a privilege that we cannot afford to take for granted. My knowledge of God does not depend on how well I know theology or the Bible. Rather, it is through my daily encounters with Christ, in prayer, in meditation of His Word, that I become familiar to Him and get a better knowledge of Him. He alone is our peace. So no matter the challenges that I might face around me, God's presence and grace in me reassures me, heals me, and makes me new again. Let no worries deprive you of the peace and comfort that you have in Christ. Together, let us pray Psalm 119, verse 4, to ask God for the gift of intelligence. Give me understanding, and I shall keep your law. Yes,
I shall deserve it and observe your law with my whole heart. Amen. May the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. This is Father Michael with Adal.